perdre du poids après 50 ans, c'est impossible. Cette croyance populaire, on l'entend régulièrement. Mais c'est complètement faux. Voici par exemple deux de nos coachés. Sylvain, il a 60 ans, il a perdu 26 kilos. Voici Karim, il a 50 ans, il a perdu 24 kilos. Oui, peut-être quand vous étiez jeune, vous arrivez à perdre plus rapidement vos kilos en trop. Mais maintenant, accuser votre âge parce que vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est vous tromper de coupable. La première excuse qu'on entend, c'est qu'avec l'âge, il existe une modification du métabolisme de votre corps. Cette croyance est tellement populaire qu'elle est même venue à la bouche d'un de nos invités. Quand on vieillit, on a un métabolisme qui se ralentit. On a une modification avec le temps de notre métabolisme. Sauf que c'est scientifiquement invalide. Votre métabolisme de base, ce sont les dépenses incompressibles nécessaires à votre corps pour le bon fonctionnement de vos organes. Ce que va consommer votre cerveau, vos poumons, votre cœur, vos muscles. Dans cette étude publiée en 2021 dans le prestigieux journal Science, des chercheurs ont mesuré la dépense du métabolisme de base journalière d'un humain à différents stades de sa vie. Leurs résultats ont fait beaucoup de bruit. Après 50 ans, votre corps consomme autant d'énergie qu'à 20 ans. Ce n'est qu'à partir de 60 ans que l'on peut voir un ralentissement de votre métabolisme. Et ce ralentissement est de moins d'1% par an. Ce qui est bien évidemment complètement négligeable quand vous souhaitez perdre du poids. Donc non, il n'y a pas d'histoire de métabolisme bloqué avec l'âge. Ce sont des stupidités sans nom. Pour conclure, voici une étude passionnante qu'a réalisée le docteur Thomas Berber, un professeur et chercheur très connu dans le monde médical. Il a comparé la perte de poids chez des patients de moins de 60 ans à celle chez des patients de plus de 60 ans. Sa conclusion était très simple. L'âge n'avait aucune influence sur la perte de poids. Oui, après 50 ans, vous pouvez perdre du poids durablement. Et c'est confirmé par nos diététiciens que l'on a interrogé à ce sujet. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'âge de la personne quand elle veut perdre du poids ? C'est pas le biais que j'utilise. Pour moi, l'âge n'est pas du tout un frein. Mais alors, si l'âge n'a pas d'influence sur la perte de poids, alors pourquoi beaucoup de personnes le ressentent ? Pourquoi sentent-ils que c'est plus difficile ? Parce que si objectivement, il n'y a pas de justification, subjectivement, il peut y en avoir une. Avec Raph, on s'est creusé la tête pour répondre à cette problématique et on a remarqué deux possibilités qui peuvent expliquer ce ressenti. Une première raison vient du concept qu'on a appelé l'effet scotché. Quand on est jeune, on bouge, on fait du sport, on marche, on a le temps de s'activer durant tous les jours de la semaine. Malheureusement, une fois dans la vie active, les contraintes prennent le dessus. Vos journées se retrouvent remplies par votre travail et votre vie de famille. Vous passez au minimum 8 heures par jour assis, les fesses scotchées sur votre chaise. Et il faut parfois attendre le week-end pour commencer à vous voir bouger. Ce rythme de vie vous accoutume à moins bouger sans que vous le remarquiez. Ces changements se réalisent très insidieusement sur des années. Progressivement, vous diminuez vos efforts, vous diminuez votre dépense énergétique. Et qui dit faible dépense énergétique, dit prise de poids facile au moindre écart. Et dès lors que vous souhaitez agir et perdre du poids, l'effort ressenti pour se remettre en mouvement va être énorme. Des études montrent que la formation d'habitudes sédentaires peut être un obstacle au changement vers un mode de vie plus actif. Et que l'engagement initial dans un nouveau comportement peut être plus coûteux en termes d'effort. Le cerveau est conditionné à préférer le confort, ce qui rend le changement de comportement plus difficile et exigeant en énergie. Si on rajoute en plus dans ce raisonnement que les personnes ont moins de temps disponible pour se soucier de leur régime alimentaire et de leur programme d'exercice, on a une combinaison parfaite pour se sentir très vite débordé, désespéré et abandonné. Mais ce n'est pas le pire. Si autant de personnes ressentent la difficulté à perdre du poids de façon durable, il faut aussi remettre en question les solutions proposées actuellement. Notre constat avec Raph, c'est que perdre du poids est difficile parce que les solutions actuelles sont inefficaces. Perdre du poids avec une solution bancale, vous allez perdre beaucoup d'énergie pour peu de résultats à l'arrivée. Il faut bien faire un régime, et c'est ce que j'avais fait il y a 20 ans, hein. J'avais fait un régime, j'avais perdu 17 kilos, sauf qu'au lieu de les perdre en un an, je les avais perdus en 3 mois, mais sans rien changer à ma vie finalement, tu vois. Et du coup, sur la durée, forcément, après, tu tiens pas la distance. Vous avez simplement rongé votre motivation et culpabilisé d'échouer. Sauf que dans ce cas précis, ce n'est pas vous le problème. À l'heure actuelle, toutes les méthodes sont faites pour que vous ne réussissiez pas votre perte de poids sur le long terme. Prenons l'exemple des régimes. Dans chaque régime, vous allez apprendre une méthode rigide et stricte. Voici les directives à suivre et vous allez réussir à perdre du poids. Enlevez ces aliments et vous allez perdre du poids. Sauf que dans toute méthode pré-mâchée et simpliste, vous avez un retour de bâton qui est obligatoire. Parce qu'il ne vous donne pas la chose la plus importante pour réussir, la connaissance. Sans la connaissance alimentaire, vous allez appliquer bêtement les conseils sans comprendre véritablement ce que vous faites. Et vous serez alors dépendant de cette méthode pour votre réussite. Ils ne vont pas par exemple vous expliquer que quand vous perdez du poids, vous n'allez plus jamais consommer la même quantité de calories qu'avant. Je m'explique. Prenons l'exemple de Sylvain. Quand il pesait 105 kg, son corps consommait au repos, dans la journée, 3030 kcal par jour. S'il mangeait plus de 3030 kcal par jour, il allait continuer à prendre du poids. S'il mangeait moins de 3030 kcal par jour, il allait perdre du poids. Avec une restriction calorique intelligente et du sport, il a réussi à descendre à 78 kg en un an, ce qui est une très belle réussite.
Sauf que quand vous allez perdre du poids, votre métabolisme va diminuer. Vous faites moins d'efforts à déplacer 70 kg au quotidien que 105 kg. Donc à son nouveau poids, le corps de Sylvain a besoin que de 2598 kcal par jour pour être maintenant à l'équilibre. Ce qui fait une différence de 432 kcal par jour par rapport à sa consommation avant et après la perte de poids. Et 432 kcal, ça correspond à un pain au chocolat par jour. Et donc ça peut aller très vite. S'il remange la même quantité qu'avant, alors il va regagner progressivement tous ses kilos perdus jusqu'à atteindre les 105 kg. Sans cette connaissance de base, les régimes peuvent profiter pleinement de vous. Vous allez acheter leurs produits, vous allez suivre leurs recettes miracles, vous allez perdre du poids. Vous allez arrêter et reprendre vos habitudes, et vous allez reprendre tout ce que vous avez perdu, et réacheter chez eux. C'est très lucratif pour eux de profiter de votre ignorance. Fuyez toutes les méthodes miraculeuses qui vous donnent pas les clés du savoir. Deuxième point qui m'exaspère énormément, ce sont les dogmes présents dans les régimes. Ils vont prêcher des chapelles de pensée qui ne s'appuient sur aucun fondement scientifique. Vous allez supprimer des aliments sans raison valable. Vous allez adhérer à une théorie pseudo-évolutive bizarre. Comme toute chapelle de pensée, vous rentrez dans des dogmes et dans des raisonnements très identitaires. Leur seul objectif, combler vos attentes. Vous voulez perdre du poids? Eh bien, ils vont tout faire pour. Je mange trois fois moins que ce que je mange d'habitude, tu vas perdre du poids. Je veux dire, c'est binaire. Tu vas peser moins lourd, mais tu vas perdre principalement de l'eau, du muscle et peut-être un petit peu de gras. Ce qui est quand même très triste parce qu'on sait à quel point le muscle est important pour le corps. C'est ça. Et plus on vieillit, plus il faut essayer de préserver ce capital. Exactement. En fait, ton muscle, c'est ta réserve santé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Sauf que perdre du poids, ce n'est pas anodin. Vous devez respecter, même lorsque vous allez perdre du poids, un certain équilibre alimentaire pour ne pas être en mauvaise santé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a d'ailleurs publié un rapport passionnant à ce sujet. Voici leur conclusion du rapport sur les différents régimes actuels. Des apports en sodium doublés par rapport aux recommandations de l'OMS. Des apports en fibres 10 fois inférieurs aux recommandations. Des risques de perturbations d'ordre osseux et hépatique mettant en danger votre intégrité physique. Mais ça, les régimes s'en fichent royalement de vous dégrader votre santé. Ils sacrifient votre santé pour quelques kilos perdus. Ils s'en fichent que vous perdiez du muscle ou de l'eau tant que vous pesez moins lourd. Ils s'en fichent que vous ayez des carences en micronutriments si vous êtes satisfait quand vous allez vous peser le matin. Ce sont des méthodes qui ne peuvent pas marcher sur le long terme. Ce sont des méthodes vouées à un échec programmé. Vous ne pouvez pas réussir une perte de poids durable avec ce type de méthode. C'est impossible. Mais alors, vous allez me dire si les régimes ne marchent pas. Qu'est-ce qui fonctionne pour perdre du poids durablement tout en préservant votre santé? Les médecins et les diététiciens devraient être les mieux placés? Oui, en théorie. Sauf qu'en pratique, cela ne suffit toujours pas. Car pour la grande majorité, ils n'ont pas réellement compris la complexité du problème. Mais avant de vous expliquer pourquoi, vous devez comprendre comment votre corps fait pour perdre du poids. Je vous présente Deirdre Tobias. C'est une chercheuse qui a eu l'excellente idée de recenser toutes les études scientifiques qui ont été faites sur les régimes. Elle en a trouvé 3517. Elle a observé les résultats pour voir s'il existe un régime qui fait perdre plus de poids qu'un autre. La conclusion de l'étude est sans appel. Ce n'est pas le type de régime qui détermine la perte de poids, mais seulement la quantité de calories ingurgitées par rapport à vos dépenses caloriques. Pour que vous compreniez mieux, vous devez voir votre corps comme une balance. Vous avez les calories que vous dépensez. Ça va être la marche, le sport, votre digestion, le fonctionnement de vos organes au repos. Et vous avez les calories que vous apportez dans votre corps. Ça va être l'alimentation. Si vous mangez plus que ce que vous dépensez, alors vous allez prendre du poids. Si vous mangez autant que ce que vous dépensez, alors vous allez maintenir votre poids. Mais si vous mangez moins que ce que vous dépensez, alors vous allez perdre du poids. C'est la seule règle qui compte. Pour perdre du poids, vous devez être en déficit d'énergie. Donc ce déficit d'énergie, le corps va aller le chercher et va puiser dans ton stock d'énergie accessible et c'est là où tu vas perdre du poids. Un professeur de nutrition à l'université d'État du Kansas a lui fait une expérience très perturbante. Pendant 2 mois, il s'est nourri uniquement de chips, de crème glacée, d'Oreo et de barres chocolatées. Même pour la science, jamais je fais ça. Et au bout de 2 mois, il avait perdu 12 kilos. Vous allez me dire, comment ça se fait? Parce que ce chercheur se forçait à ne pas dépasser 1800 kcal par jour. C'est-à-dire qu'il était en déficit calorique. Sa balance énergétique était orientée vers la perte de poids. Il a donc réussi à diminuer son surpoids. Car pour perdre du poids, la seule règle qui prime, c'est cette histoire de balance. Est-ce que c'est une bonne idée pour autant de s'infliger ça? Pas du tout. Il a perdu du poids, mais il met son corps en danger. La plupart des personnes souhaitant perdre du poids ne veulent pas simplement être plus légers sur la balance. Elles veulent perdre du gras. Sauf que si vous faites une restriction calorique de façon non réfléchie, eh bien vous allez perdre plus de muscles que de gras. Vous serez moins lourd sur la balance, mais aussi moins musclé et en moins bonne santé. Et vous devez bien comprendre qu'après 50 ans, ce sont des muscles que vous ne retrouverez jamais. En tant que kiné, c'est vraiment un des messages le plus important qu'on souhaite que vous reteniez. Ça ne sert à rien de perdre du poids en mettant votre corps en danger. Perdre du muscle après 50 ans, c'est catastrophique. Le muscle permet de garder très longtemps votre autonomie et votre indépendance, pour profiter de vos randonnées lors de votre future retraite, de voyager et même tout simplement de vous lever de votre chaise. Perdre du muscle, c'est renoncer à vieillir en bonne santé. En plus, perdre du muscle, c'est avoir un corps qui marche au ralenti, car vos muscles consomment de l'énergie au repos.
diminuer votre masse musculaire va réduire drastiquement les dépenses de votre corps. Et donc vous serez beaucoup plus à risque de reprendre du poids par la suite. Vous ne devez pas perdre du poids, mais vous devez perdre du gras. Alors comment faire ? Pour perdre du gras, vous allez devoir, premièrement, jouer sur la balance énergétique, vous retrouvez donc en restriction calorique par rapport à vos dépenses. Mais on va rajouter deux éléments indispensables. Vous devez amener dans votre alimentation une quantité de protéines minimale journalière pour maintenir intacte votre masse musculaire au cours de votre perte de poids. Les protéines sont les briques qui constituent vos muscles. Le dernier élément indispensable, c'est faire du sport. Parce que même avec un apport en protéines suffisant, quand vous faites un déficit calorique, vous allez forcément perdre du muscle. Et ce sport va permettre de ralentir drastiquement votre fonte musculaire lors de votre déficit calorique. En plus, vous allez pouvoir augmenter vos dépenses énergétiques et donc diminuer les efforts que vous allez devoir faire au niveau de votre alimentation. Que de points positifs. Avec du sport, un déficit calorique, une quantité de protéines suffisante combinée à une alimentation variée de qualité, vous allez pouvoir perdre du gras en bonne santé sans perdre du muscle. Mais il y a un gros problème. La plupart des médecins, kinés, nutritionnistes et diététiciens connaissent tous ces éléments scientifiques. Ils ont compris la science précise derrière une perte de poids. Mais pourtant, leurs méthodes sont très souvent vouées à l'échec. La raison de ces échecs, c'est qu'ils n'ont pas réellement compris la complexité du problème. La perte de gras n'est pas qu'un problème d'alimentation et de sport, sinon ça serait trop facile. La perte de gras, c'est un problème bien plus large qui ne s'arrête pas qu'à la biologie de l'individu. Pour qu'une perte de gras fonctionne, vous devez respecter trois prérequis indispensables. Une méthode sans ces trois prérequis, je vous conseille vivement de passer votre chemin très rapidement. C'est ce qu'on appelle les prérequis SEC, pour science, environnement et comportement. Tout d'abord la science, c'est la stratégie initiale qu'on a vue ensemble. C'est la balance énergétique, la quantité de protéines suffisante, l'alimentation variée, le sport. C'est les méthodes traditionnelles actuelles que tous les praticiens maîtrisent logiquement. Sauf qu'une personne n'est pas aussi simple que ce modèle. C'est pourquoi vous devez placer ces connaissances scientifiques sur la perte de poids dans un environnement. Un environnement humain, avec nos envies, nos désirs, nos émotions, notre agenda, nos traumatismes, nos stress, notre sommeil, nos frustrations, notre cercle social, nos modes de vie. Et là déjà, ça devient plus intéressant car votre réussite ou votre échec va forcément venir de votre environnement. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginez vous souhaitez perdre du poids mais que votre sommeil est catastrophique. Vous endormez tard et vous réveillez tôt. Logiquement, ça n'a pas d'influence sur la balance énergétique qu'on a vue. Et vous avez raison. Sauf que le sommeil a une influence bien plus sournoise. Lorsque vous manquez de sommeil, que ce soit en qualité ou en quantité, une hormone qu'on appelle la leptine va chuter drastiquement. Ce qui signifie que votre cerveau ne reçoit pas le signal que vous êtes rassasié. Mais en même temps, une autre hormone, la gréline, s'élève quant à elle très rapidement, ce qui augmente votre sensation de faim. C'est un petit peu comme si votre corps pensait qu'il a besoin de plus de nourriture pour compenser votre manque de sommeil. Autre exemple de l'impact de l'environnement pour perdre du poids, c'est votre cercle social. Si vous avez des amis qui aiment les bons buffets bien gras, qui se moquent de vous si vous ne buvez pas assez, je parle bien évidemment de l'alcool, eh bien, ce sera très dur pour vous de réussir votre perte de gras. S'ils ne s'adaptent pas, s'ils ne comprennent pas vos efforts, alors vous allez avoir deux possibilités. Soit vous allez être frustré constamment et vous avez beaucoup plus de chances d'abandonner votre projet. Soit vous êtes très fort mentalement et vous trouvez un moyen de gérer cette situation. Vous ne devez jamais sous-estimer le pouvoir malsain de la pression sociale. Je l'ai personnellement subi durant toutes mes décisions. Que ce soit avec les cigarettes au lycée en ne faisant pas partie de la bande de fumeurs, j'étais littéralement toujours seul à la récré car tout le monde partait fumer sa cigarette, mais aussi en équipe de France où l'on me proposait de boire des bières avec le staff et que le non était une option qui m'éloignait de la cohésion d'équipe. Les mecs qui sont cool boivent des pintes. Sauf que personnellement, j'ai toujours voulu être libre de mes choix. Et quand je prends une décision, je m'y tiens. Je me suis toujours éloigné des personnes qui ne soutiennent pas mes projets, qui me culpabilisent dans mes décisions. Donc avoir un cercle social fort, c'est capital dans votre réussite. Ne pas se sentir seul dans ce défi, vous sentir accompagné, vous sentir soutenu. C'est pourquoi, dans chacune de nos formations qu'on a créées, on a mis en place une communauté d'entraide pour se soutenir mutuellement et pour progresser ensemble dans la même direction. Avoir une meilleure adhésion collective a prouvé scientifiquement une meilleure réussite lors de votre perte de gras. Le dernier exemple que vous devez comprendre dans l'environnement, c'est l'importance de l'adaptabilité. Une méthode pour perdre du poids rigide, la même pour tout le monde, ne marche pas. Parce que pour bien vivre un défi aussi grand, vous allez faire des concessions. Il y a des efforts que vous souhaitez faire et des petits plaisirs que vous voulez absolument garder. Et c'est compréhensible. Une perte de gras doit être adaptative, doit se moduler facilement, doit s'adapter à votre état, à votre environnement. Prenons l'exemple de Karim, il n'avait pas faim le matin. Alors on a profité pour construire une stratégie autour de cet élément pour profiter de son ressenti afin qu'il puisse vivre au mieux son déficit calorique. Ça aurait vraiment été une grosse erreur de le forcer à prendre un petit déjeuner. Par contre, quelqu'un qui a besoin d'un petit déjeuner consistant pour commencer sa journée, je ne suivrai pas la même stratégie. Deuxième élément, il voulait bien faire du sport, il voulait bien rééquilibrer son alimentation, cependant il ne voulait pas renoncer à son petit verre de vin rouge le soir. Eh bien, on s'adapte, on prend en compte les calories du verre de vin rouge dans son programme. Parce que l'on sait que s'il n'est pas frustré, s'il se sent bien, il va continuer longtemps ses efforts. Est-ce que t'as pas cette sensation de manque, de faim particulièrement ? Non, franchement, que dalle. Franchement, j'ai trouvé un rythme qui me va très bien et j'ai pas de frustration, j'ai pas de manque.
Et au contraire, même, c'est hyper motivant parce que du coup, bah, voilà, tu vois que ça descend. Et... Ce qui nous amène à la dernière étape pour réussir. Comment changer profondément vos comportements. Pour réussir à transformer son corps, les solutions court-termistes ne fonctionnent pas. C'est le constat de l'ensemble des études scientifiques sur ce sujet. Ce fut d'ailleurs la conclusion de la célèbre étude de Deirdre Tobias. Tout le monde finit par craquer, car les régimes sont impossibles à tenir sur du long terme. Tous les régimes ont un point commun. À 6 mois, ils ont un taux de réussite de 90%. Mais à 2 ans, ils ont un taux d'échec de 95%. Pour transformer durablement votre corps, vous devez avoir un changement d'habitude durable dans votre mode de vie. Très simple à dire, pas facile à faire. Pour modifier durablement votre corps, vous devez apprendre comment il fonctionne. Vous allez donc devoir vous appuyer sur les neurosciences pour comprendre certains mécanismes de votre cerveau. Qu'est-ce qui nous amène soit à instaurer un nouveau comportement, soit à rester englué dans un mauvais comportement? Toutes les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, suivent le même schéma. On a un signal, l'ennui, qui découle sur une envie, je veux ressentir du plaisir, qui amène à une réponse, je regarde la télé, qui donne une récompense, libération d'endorphines, je me sens apaisé. Ce dont vous avez envie, ce n'est pas de regarder la télé, mais le changement d'état émotionnel que cela vous procure, le fait de vous sentir apaisé en regardant la télévision. Autre exemple, vous n'avez pas envie d'une cigarette, mais de la sensation de soulagement qu'elle procure. Pour changer d'habitude, vous devez construire des boucles de récompense pour vous donner envie de répéter l'action et ancrer vos nouveaux comportements dans vos routines de vie. Et c'est dans cette boucle que la plupart des programmes miraculeux pour perdre du poids font une erreur. Si vous êtes dans une privation stricte, vous serez frustré, vous n'aurez jamais votre récompense. Et résister indéfiniment à votre envie d'endorphine, c'est impossible. Vous craquerez. La question dans le changement de comportement, c'est comment amener de la connaissance nutritionnelle de manière progressive et ludique. Travailler la notion d'apprentissage pour qu'elle se fasse par étapes guidées simples et faciles à mettre en pratique. Comment créer un déficit calorique sans créer de la frustration? Il faut créer des récompenses, il faut amener une notion ludique dans ce défi. C'est super important. Pour conclure, perdre du gras en bonne santé et de façon durable, vous devez suivre les prérequis secs. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. On doit regarder la personne dans sa globalité et se nourrir d'autres champs de recherche. Maintenant que vous avez compris la bonne méthode, que vous êtes motivé pour perdre du poids, vous allez me dire par quoi commencer? Qu'est-ce que vous devez faire? Il y a vraiment une multitude de directions et vous pouvez vous sentir perdu. Voici les 4 premières étapes à effectuer. Posez-vous cette question. Est-ce le bon moment? Êtes-vous prêt à en faire une priorité dans votre quotidien? Commencer une transformation physique et prendre soin de vous demande de l'énergie. Êtes-vous prêt à y consacrer du temps? Soyez honnête avec vous-même. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas le bon moment pour vous lancer dans ce défi. Parce que vous allez choisir ce que j'appelle le chemin sans friction. C'est le fait de chercher le chemin facile, la méthode rapide pour gagner du temps. Le chemin qui vous coûtera le moins de sacrifices. Et je vous assure que vous allez trouver plein de méthodes qui vous proposent ça. En trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Sauf que vous allez encore une fois vous faire avoir et foncer droit dans le mur. Ce que je vous demande avant même de commencer ce défi, c'est d'être focus. C'est l'habilité de vous focaliser dans ce monde de distraction vers votre objectif et d'y mettre l'énergie et le temps nécessaires pour y arriver. Votre transformation physique doit être une de vos priorités dans votre vie. Répondez clairement à cette question dans les commentaires. Êtes-vous prêt à en faire une priorité dans votre quotidien? Si la réponse est non, expliquez-nous quelles en sont les raisons dans les commentaires. Avant d'agir, il faut connaître. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de piloter un avion sans avoir effectué un seul cours au préalable. Non. Alors pourquoi piloter votre corps à l'aveugle? Vous allez devoir retourner à l'école. Vous allez devoir apprendre. L'apprentissage amène à la connaissance à la conscience. La conscience amène du contrôle et de la maîtrise dans votre vie et dans vos décisions, que ce soit sur le plan alimentaire ou sur le plan sportif. Vous transmettre de la connaissance, c'est ce qu'on essaie de faire depuis maintenant plus de 2 ans en interviewant des spécialistes dans le monde de la nutrition et du sport. On a d'ailleurs sélectionné les 7 informations les plus impactantes sur la perte de poids partagées par 7 de nos experts reçus sur notre chaîne. On a pris le temps d'analyser la pertinence de leurs informations avec nos recherches d'articles scientifiques pour ensuite vous créer un guide gratuit. Vous recevrez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir sur la perte de poids après 50 ans. Vous recevrez le meilleur des vidéos sans avoir à les regarder ou à prendre des notes. Il vous suffit juste de cliquer juste ici pour les recevoir. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si vous n'êtes plus intéressé. Ce qui nous amène au niveau suivant. Vous allez ensuite passer à l'action. Prenez un concept que vous avez appris et mettez-le en pratique dans votre quotidien. Si vous avez la crainte de ne pas vous y tenir, je vous conseille de vous fixer un objectif tellement ridicule que c'est impossible pour vous de ne pas le faire. Exemple, je fais 3 squats avant de me brosser les dents, tous les matins. Puis ensuite, dans un second temps, vous augmentez votre objectif. Et au fur et à mesure que l'action est fixée en habitude dans votre quotidien, rajoutez une autre action. Puis encore une autre. Après avoir mis en place une dizaine d'actions, intervient le dernier élément.
le feedback et le contrôle. Vous allez devoir savoir si vous allez dans le bon sens. Vous allez devoir regarder si vos efforts vous amènent les résultats que vous souhaitez. Vous devez donc savoir mesurer des marqueurs que l'on veut surveiller, exemple le poids sur la balance, et savoir réguler et adapter vos résultats en remettant en question vos actions. Si votre courbe de poids reste inchangée pendant un mois, alors vos actions sont insuffisantes. Pas de panique, mais vous devez ajuster vos efforts pour que la courbe tende vers le bas. Petit détail très important, avec Raph, on ne croit pas au fait de transformer son corps durablement sans sport. Le sport permet tout simplement d'augmenter vos dépenses énergétiques, ce qui vous permet d'avoir plus de marge dans votre restriction calorique alimentaire. Sans sport, vous allez devoir vous restreindre davantage au niveau de votre alimentation. Et donc potentiellement, l'écart entre perte de poids et maintien du poids sera plus fin. Vous aurez moins le droit à l'erreur. Donc cela sera beaucoup plus contraignant. Le sport permet de compenser votre faim. Quand vous faites du sport, quel que soit le sport pratiqué, votre rythme cardiaque augmente. Cette augmentation entraîne en parallèle dans votre corps la sécrétion du peptide YY, une hormone responsable de la sensation de satiété, et la diminution de la production de ghréline, hormone responsable de la sensation de faim. C'est un peu comme en été, quand il fait chaud. On transpire plus, on brûle plus de calories. Pour autant, notre appétit diminue et on mange moins. Donc de façon non intuitive, le sport est un excellent outil pour limiter ces sensations de faim qui peuvent être plus présentes lorsque vous souhaitez perdre du gras. Mais le sport permet surtout de réaliser un des éléments les plus difficiles lors d'une transformation physique. Le sport est un élément le plus important dans le maintien des résultats à long terme. Une étude passionnante a montré que les personnes qui pratiquaient plus d'activité physique maintenaient leur perte de poids par rapport aux personnes moins actives qui, eux, avaient une forte tendance à reprendre la majeure partie de leurs kilos perdus. C'est d'ailleurs aussi la conclusion du National Weight Control Registry qui a observé que 90% des personnes qui arrivaient à maintenir leur poids dans le temps pratiquaient une activité physique régulière. Pour finir, dans cette étude de 50 000 participants, les chercheurs ont comparé la perte de poids sur le long terme chez des coureurs et des marcheurs. Les participants qui pratiquent la course à pied reprenaient moins ou pas du tout de poids, alors que ceux qui ne faisaient que marcher avaient tendance à regrossir. Et ça pour la même énergie dépensée dans les deux groupes. C'est d'ailleurs sur la course à pied qu'on a lancé Karim, mais aussi Sylvain, un de nos coachés. Mais vous allez me dire, courir en surpoids après 50 ans, n'est-ce pas dangereux ? Eh bien, pas du tout. Raph va tout vous expliquer. A tout de suite dans la vidéo.